l'Eurovélo 4 commence au port de ferry de Roscoff. Mais pendant les 30 premiers kilomètres, jusqu'à la petite ville de Morlaix, le vélo maritime suit le même itinéraire que l'Eurovélo 1. J'ai déjà parcouru cette piste cyclable il y a quelques années. Je fais donc l'économie de ce trajet par Saint-Paul-de-Léon, car le transport des vélos jusqu'à Morlaix est déjà assez compliqué. Là, je quitte la gare qui surplombe le centre-ville avec son pont ferroviaire caractéristique du 19e siècle, haut de 60 mètres, et je prends un hôtel. Le lendemain, mon tour à vélo doit commencer par la côte de Granit Rose. L'Eurovélo 4 traverse l'Europe d'ouest en est. Le point de départ est Roscoff, tout à l'ouest de la Bretagne. Et l'arrivée est Kiev, la capitale de l'Ukraine. À certains égards, on pourrait dire que la piste cyclable est située 200 km plus au nord, mais qu'elle est par ailleurs parallèle à l'Eurovélo 6. Il est donc parallèle à la piste cyclable européenne qui va de l'estuaire de la Loire à la mer Noire. Mais son caractère est tout à fait différent et, par conséquent, ses exigences vis-à-vis des cyclotouristes sont également différentes. Alors que l'Eurovélo 6 suit des cours d'eau en continu, l'Eurovélo 4 se caractérise par une grande diversité de paysages. Non seulement des cours d'eau, mais aussi des côtes escarpées, de vastes plaines et des montagnes moyennes à parcourir à vélo. La diversité de ces paysages reflète une Europe qui, espérons-le, ne connaîtra bientôt plus de frontières. La côte bretonne au nord-est de Morlaix m'accueille avec un magnifique ciel bleu, un fort vent d'est et de très nombreuses collines escarpées. Après d'interminables averses fraîches, un anticyclone particulièrement stable s'installe à partir de la mi-mai sur l'Europe occidentale et centrale. Il m'offre un temps ensoleillé sans une goutte de pluie pendant 4 bonnes semaines jusqu'à ce que j'atteigne Ostende. Je m'accommode donc volontiers du vent contraire constant. Le vent de face renforce encore la pénibilité des collines. Le relief est au moins aussi mauvais qu'au pays de Galles, et ce n'est pas rien. Un jour, je rencontre un couple d'Allemands à vélo qui se plaint amèrement des nombreuses montées, bien qu'ils roulent en e-bike. Il est vrai que les cyclistes sont peu nombreux ici, mais ce n'est pas étonnant, malgré la beauté du paysage. Ma première destination du jour est Lannion, et je me rends vite compte que je me suis surestimée. La vélo maritime ne se contente pas de gravir chaque colline, il n'oublie pas non plus une baie. Heureusement, la dernière partie du parcours se déroule un peu plus loin de la côte, sur une route de campagne. Malgré tout, je n'arrive que peu avant le coucher du soleil et n'ai parcouru que 70 km. Je dois remettre la visite de l'église de Bré-les-Vénets au lendemain matin. Située sur une colline escarpée, cette église appartenait à l'origine aux Templiers et présente des éléments de style roman et gothique. Comme il est déjà prévisible que j'en ai trop fait pour le lendemain, je continue à vélo depuis Lannion, en direction du nord-est, vers la côte de Granit Rose. J'atteins la mer au niveau du phare de Min Ruz, dans le petit village de Ploumanac. La côte de Granit Rose s'étend de Trebdurden à Perros-Guirec et se caractérise par ses blocs de granit rose pâle, très altérés, qui ont pris des formes arrondies bizarres. À l'est de Perros-Guirec, le vélo maritime s'éloigne un peu de la côte, à l'intérieur des terres. Là, les collines sont moins nombreuses et moins abruptes, et on peut se reposer un peu du parcours côtier.
je passe la nuit dans le village de Pleubian. Avant cela, je vais voir la petite ville de Tréguier, située sur une colline, avec sa vieille ville pittoresque et la cathédrale Saint-Hugues-du-Hal. Le lendemain, je retourne sur la côte, en passant par Lezardrieux et Paimpol. Sur la côte de Guélo et la côte de Penthièvre, le vélo maritime est très proche de la côte tout au long du parcours. Ce n'est qu'à proximité de Saint-Malo qu'il bifurque à nouveau vers l'intérieur des terres. Entre-temps, je connais la difficulté des pistes cyclables côtières et j'ai choisi des étapes plus courtes en conséquence. Je passe 3 nuits près de Saint-Brieuc, le Valander et Saint-Cast, le Guildo. Le paysage est d'une beauté exceptionnelle. Cependant, il n'y a pas de pistes cyclables continues, mais des parcours sur des routes de campagne et des pistes cyclables dédiées se succèdent. Parfois, on roule aussi sur d'anciennes voies ferrées. L'abbaye de Beauport, près de Paimpol, et le paysage autour du Cap Fréhel sont particulièrement impressionnants. L'abbaye a été construite au Haut Moyen Âge et appartenait à l'origine à l'ordre des Prémontrés. Pillée et dévastée, elle est aujourd'hui une propriété privée. Au Cap Fréhel, l'Atlantique fouette les falaises et le paysage de Landes, avec ses nombreuses fleurs printanières, offre toujours de magnifiques vues sur les falaises et les petites baies. Les motifs photographiques se succèdent, mais il n'est évidemment pas question d'avancer rapidement. Mais le paysage vaut bien trop la peine d'être vu et vécu. À l'est de Saint-Cast-le-Guildo, le vélo maritime me ramène à l'intérieur des terres. Il évite ainsi le terrible pont direct vers Saint-Malo et traverse le bassin de la Rance, plus au sud, à Plouay-sur-Rance. En particulier, le parcours sur la rive est du bassin de la Rance, qui longe directement la côte par de petites routes de campagne, offre toujours des vues remarquables du point de vue du paysage. On passe non seulement devant de petits villages de pêcheurs idylliques et de magnifiques demeures nobles, mais aussi devant l'usine marémotrice de la Rance. Construite en 1967, elle fut la première usine marémotrice du monde et, pendant 40 ans, la plus grande du monde. J'arrive à Saint-Malo, la citadelle de granit, le samedi de Pentecôte par un temps presque estival. Tous les hôtels sont donc pleins et les touristes se pressent partout, serrés les uns contre les autres. Le granit n'a pas aidé contre les formations de bombardiers alliés qui ont pris la ville pour cible pendant la Seconde Guerre mondiale, car elle avait été transformée en forteresse par les troupes allemandes. 80% des bâtiments ont été détruits, mais ils ont été reconstruits et restaurés de la meilleure façon possible. Les murs gris de la ville
et la cathédrale Saint-Vincent reconstruite valent particulièrement le coup d'œil. Depuis Saint-Malo, je prends à nouveau un petit raccourci. Je ne pédale pas d'abord vers Cancale, comme prévu par le vélo Martime, mais je vise directement le Mont Saint-Michel. En raison des jours de Pentecôte, l'hébergement pose problème et je dois me contenter de Vaissey, à environ 20 km au sud du célèbre Mont Saint-Michel. Mais heureusement, cette fois-ci, le chemin me mène à travers une plaine côtière vraiment très plate. Peu avant Pontorson, je franchis la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Le Mont Saint-Michel appartenait à l'origine à la Bretagne, mais il fait aujourd'hui partie de la Normandie, en raison du déplacement du fleuve. Le Quesnon, dans sa folie, mit le mont en Normandie. Outre la Normandie et la Bretagne, la région Hauts-de-France a également participé à la planification et à la réalisation du La Vélo Maritime. 2018, les trois régions et d'autres partenaires ont créé un comité de véloroute. Celui-ci avait pour mission de planifier et d'aménager cette première étape de l'Eurovélo 4, qui, avec près de 1500 km, est aussi de loin la plus longue des six pays qu'elle traverse. Les idées du partenariat franco-britannique pour le Tour de Manche ont été partiellement reprises. Le vélo maritime n'est pas aussi bien aménagé que son pendant un peu plus court, le Vélodyssée, sur la côte ouest de la France. En raison des nombreuses montées souvent très raides, il faut faire quelques efforts pour le parcourir. Mais le vélo maritime est beaucoup plus intéressant et varié. Les centres-villes médiévaux, les lieux de débarquement en Normandie, les villes chargées d'histoire au bord de la Manche, et les falaises grandioses valent incontestablement les nombreuses collines escarpées. Il n'existe pas encore de guide vélo en allemand pour le vélo maritime, mais il existe un livre en français qui ressemble au guide Bikeline. Pour moi, il présente deux inconvénients majeurs. Mon français est trop mauvais pour comprendre la description des curiosités et, à la différence des guides cyclistes Bikeline, le guide vélo français ne contient pas de courbe de niveau. Mais heureusement, il existe encore une très bonne version officielle du guide vélo maritime sur Internet. Celle-ci est également mise à disposition en allemand par les organisations touristiques qui y participent. Je prends une journée entière pour le Mont Saint-Michel. Comme mon trajet fait 15 km, cela est également nécessaire. L'accès se fait par Pontorson jusqu'à 3 km du Mont Saint-Michel, où tous les automobilistes et les bus sont interdits de circulation. À partir d'ici, seules les navettes, les piétons et les cyclistes peuvent continuer. Les cyclistes ne bénéficient de ce privilège que depuis quelques années et il est également soumis à quelques restrictions. Il est impossible d'utiliser son vélo à l'intérieur de la colline du château, mais il y a des arceaux de stationnement supplémentaires à proximité de l'entrée. Bien qu'il s'agisse du lundi de Pentecôte, l'affluence de touristes dans ce qui est probablement le patrimoine mondial le plus célèbre de France est limitée le matin. J'ai la nette impression que l'overtourisme n'est pas encore aussi grave ici qu'à Santorin ou à Venise. De plus, le site est étonnamment vaste, avec ses trois étages, si bien que je suis vraiment presque seule dans certaines salles. Mais peut-être que j'ai juste de la chance ce jour-là et que je suis en déplacement, au moment où les Français profitent de leur brunch. Je ne découvre le Mont Saint-Michel qu'à marée basse, mais les vues qui s'offrent à moi depuis les différentes chapelles, églises et cours intérieurs sont impressionnantes et uniques.
la magnifique journée de printemps, avec un vent tiède, fait le reste. La magie de cet endroit se manifeste même si l'on ne croit pas à la légende de la ligne invisible qui s'étend du monastère de Saint-Michel sur Great Skelling, en Irlande, à celui de Jérusalem. L'idée de l'épée droite invisible est certes assez juste, mais seulement sur une carte d'Europe ou dans un atlas. Si l'on prend un globe, ce qui serait en fait approprié, on est plutôt confronté à une épée courbe. Après la magnifique journée au Mont-Saint-Michel, je pars le lendemain matin de bon cœur en direction de la presqu'île du Cotentin. Le temps est bon et pour la toute première fois sur le vélo Martim, le paysage est parfaitement plat, comme devrait l'être une plaine côtière. Pourtant, c'est ici que la piste cyclable m'emmène le plus loin à l'intérieur de la France, comme nulle part ailleurs sur les 1500 km de la piste. En effet, la côte ouest du Cotentin est épargnée par la vélo maritime. Et ma première destination du jour sur la presqu'île, Martin-Bocage, se trouve ainsi à près de 50 km de la côte. Étonnamment, les pistes cyclables y sont particulièrement bien aménagées. Ils sont interdits aux voitures sur presque tout le parcours et circulent souvent sur des lignes ferroviaires désaffectées. De Martin-Bocage, je me rends en trois étapes journalières à Utah Beach, la plage de débarquement la plus occidentale de la Seconde Guerre mondiale. Le vélo maritime me mène à travers les petites villes de Vire, Saint-Lô et Carentan. Les sentiers sans dénivelé s'arrêtent vite et bientôt les collines deviennent aussi nombreuses et aussi raides qu'en Bretagne. De temps en temps, on peut pédaler le long des cours d'eau, mais la plupart du temps, la descente est raide et la remontée aussi. Même les nombreuses prairies fleuries ne suffisent pas à rendre cela agréable. C'est particulièrement grave pour l'impressionnant viaduc de Soulœuvre, projeté par Gustave Eiffel. Il sera transformé en une seule grande installation de jeux et d'amusement. Tu ne peux pas le traverser. La descente est raide dans la vallée et la remontée tout aussi raide. Je n'atteindrai la petite ville de Saint-Lô que le lendemain. La ville et sa cathédrale ont été détruites à 95% pendant l'opération Overlord et n'ont été reprises par les Alliés que 2 mois après le débarquement. À partir d'ici, le temps se dégrade. Il ne pleut pas, mais il y a du vent. Il fait assez frais et le ciel est très nuageux. En plus, on dirait qu'il va pleuvoir tout le temps. Un cycliste français que je rencontre quelques jours plus tard m'explique que la presqu'île du Cotentin est réputée pour son mauvais temps. Je fais donc l'impasse sur la partie nord du Cotentin, autour de la ville portuaire de Cherbourg, et me tourne directement vers l'est, vers la plage du débarquement d'Utah. Ici, le temps est même d'humeur orageuse. En revanche, les Américains sont d'humeur festive. Ils se font conduire dans de vieilles jeeps et des véhicules à chenilles et célèbrent ainsi, avec les Français, le 79e anniversaire du D-Day, c'est-à-dire le débarquement des forces aériennes et navales alliées en Normandie. Ces festivités s'étendent sur 14 jours, de fin mai à début juin. Elles sont accompagnées de défilés, de dépôts de gerbes et de fêtes et parades régionales. Je tombe régulièrement sur ces dernières au cours des 3 jours suivants, pendant lesquels je progresse lentement d'Utah Beach jusqu'à Sword Beach, près de Caen. D'Utah Beach, je pédale directement vers Omaha Beach, le 2e grand secteur de débarquement pour les troupes américaines. À l'est, là où les troupes britanniques ont principalement débarqué, sur la plage du débarquement Gold,
je m'installe pour 2 jours près du petit village côtier de Port-en-Bessin-Huppain. Cela me sert surtout à faire un détour par Bayeux. La célèbre ville n'est qu'à 10 km de la côte, mais est ignorée par la Vélomaritime. Comme je n'y suis encore jamais allée, j'aimerais au moins voir la cathédrale Notre-Dame. L'édifice actuel date du haut Moyen Âge et a été construit dans le style gothique. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale sans grand dommage. Je visite également le Mus de la Tapisserie, où est exposé le célèbre tapis de Bayeux. Il mesure 68 mètres de long et présente 58 scènes individuelles. Avant de retourner à vélo vers la côte, je m'informe en détail sur le débarquement allié de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, au musée de la bataille de Normandie. Le lendemain, je suis confrontée à un problème. La Vélomaritime présente encore une lacune. Autrement dit, il n'y a pas de piste cyclable digne de ce nom qui traverse l'estuaire de la Loire pour rejoindre le Havre. Les pages Vélomaritime sur Internet le disent de manière lapidaire. Le tronçon Honfleur-Le Havre n'est pas assez aménagé pour être sûr pour les cyclistes et propose donc d'utiliser une ligne de bus incluant le transport des vélos. Là, il faut s'inscrire au préalable. En français, bien sûr. Je fais donc un autre choix. Je continue d'abord à pédaler le long de la côte et de Sword Beach jusqu'à l'embouchure de l'Orne. Là, j'emprunte la piste cyclable très bien aménagée qui longe le canal de Caen à la mer, vers le sud et la ville de Caen. À Caen, je profite d'une journée entière de repos pour visiter la ville. Le port, la cathédrale, la vieille ville et surtout le château de Caen. Le vaste château de Caen a été construit en l'an 1080 sur ordre de Guillaume le Conquérant et est l'une des plus grandes forteresses d'Europe. Il abrite également plusieurs musées intéressants. Le lendemain, je prends le train régional pour me rendre directement au Le Havre via Rouen. En début d'après-midi, je quitte la gare du Le Havre et pédale en direction du port. Le Havre, la deuxième plus grande ville portuaire de France, a également été presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite en architecture de béton. Malgré cela, la ville a reçu une distinction du patrimoine mondial. Je trouve cela très flatteur. Le Havre se trouve sur la côte d'Albâtre qui s'étend jusqu'à Tréport, juste avant l'embouchure de la Somme. Cette côte escarpée, qui attire de nombreux touristes, a tout de suite un effet secondaire désagréable pour les cyclistes sur la Vélomaritime, tout comme la côte en Bretagne. Elle monte des collines abruptes. Les pentes sont considérables et ne peuvent parfois être franchies qu'en poussant. Le nombre de touristes cyclistes diminue aussi considérablement par rapport au littoral des plages du débarquement. Je parcours les quelques 200 km qui séparent le Havre du Treport en 4 étapes journalières. Je passe la nuit à Étretat, Velette-sur-Mer, Dieppe et Arrest, dans la baie de Somme. Sur ce trajet, le caractère de la piste cyclable alterne entre des passages agréablement plats dans l'arrière-pays de la côte escarpée et les vallées encaissées avec des montées massives, que les Français appellent la Valoise. La destination de ma première étape du jour, Étretat, est encadrée de part et d'autre par des falaises rocheuses verticales. Par chance, je suis ici hors saison. Je n'arrive pas à trouver une chambre à moins de 100 euros. Mais la foule est encore limitée. Il n'y a plus de pêche ici depuis longtemps, le tourisme de masse a tout remplacé.
Lors de l'étape suivante, je découvre à Fécamp et à Velette-sur-Mer encore plus de falaises impressionnantes. À Fécamp, j'admire le palais bénédictine, où est également distillée la liqueur d'herbe du même nom. Je pédale ensuite vers l'est en passant par les trois ports de la petite ville et j'arrive en fin de journée à Velette-sur-Mer. Ici, la saison touristique n'a pas encore commencé et j'ai la plage et les falaises presque pour moi tout seul. Le lendemain matin, le vent souffle en rafale. Je ne fais donc que quelques photos à Sainte-Valérie-en-Caux, puis je continue à vélo vers Veules-le-Rose. Ce village de 500 habitants a reçu en 2017 le label « Les plus beaux villages de France » et présente également un autre record. La Veule, qui se jette ici dans la mer, est la rivière la plus courte de France. Elle a une longueur de 1049 mètres. De nombreux artistes ont régulièrement visité cet endroit, dont Victor Hugo. Cette étape du jour se termine à Dieppe. Après avoir escaladé de nombreuses collines, la fin de la journée est plus conciliante. En venant du plateau de la falaise, on entre dans la ville avec une vue magnifique sur le château et le port de Dieppe. Le lendemain, j'arrive au Tréport et à sa ville voisine, Mers-les-Bains. Avec cette double ville, la côte d'Albâtre prend fin et trouve sa digne conclusion dans la falaise de craie la plus haute d'Europe, avec ses 110 mètres. Ici aussi, de belles vues s'offrent à nouveau sur le port et le centre-ville. Comme on pédale vers le delta de la Somme à l'est de Dieppe, on arrive enfin à nouveau dans une zone qui est plate et qui peut être qualifiée à juste titre de plaine côtière. Ici, il y a aussi beaucoup de touristes et même beaucoup de cyclotouristes. À Saint-Valery-sur-Somme, les hébergements sont tellement chers que je préfère me rabattre sur un petit village à 10 km de là, en bordure du delta. De l'embouchure de la Somme, ce sont à nouveau quatre étapes journalières qui m'amènent à la frontière franco-belge près du Bray des Dunes. Ici aussi, il y a encore quelques montées à franchir, surtout dans la région du Cap Grinet. Mais ce n'est pas aussi grave que sur la côte d'Albâtre, et cela ne concerne qu'un tronçon relativement court. Depuis l'embouchure de la Somme, je pédale d'abord vers Berck. Avant d'atteindre la ville et ses vastes plages de sable, je traverse les vastes réserves naturelles et ornithologiques de l'est de la baie de Somme. Ce parcours est très beau, mais il n'y a pas beaucoup de cyclistes. De Berck, où l'on a l'impression que la saison est encore loin, je continue vers Boulogne-sur-Mer. Directement au bord de la mer, il y a un étrange brouillard côtier. Mais à l'intérieur des terres, on ne le sent pas. Près de Boulogne-sur-Mer, à Étal, je visite l'un des plus grands cimetières militaires. Plus de 10 000 morts de la Première Guerre mondiale y sont enterrés. Le lendemain matin, la brume côtière s'est dissipée du port de Boulogne-sur-Mer. Je commence par flâner dans le port, puis je pars en direction de Calais.
je visite d'abord un autre grand cimetière militaire britannique, puis j'arrive au Cap Grisnez par des chemins proches de la côte. Par temps clair, on peut voir l'Angleterre depuis Cap Grisnez, car c'est ici que la Manche est la plus étroite, avec ses 33 kilomètres. Mais ce jour-là, la visibilité est trop mauvaise. À Calais, la capitale de la Côte d'Opale, je fais une petite balade en ville et j'observe le port, l'hôtel de ville et, devant, le monument aux citoyens de Calais d'Auguste Rodin. La dernière étape du vélo maritime me mène à la frontière franco-belge via Dunkerque. Dunkerque fait partie d'une zone industrielle assez laide, mais il y a tout de même quelques pistes cyclables dédiées qui s'éloignent toutefois généralement de 2 à 3 km de la côte. À de nombreux endroits, on voit des masses de caddies et de petits groupes de migrants qui se déplacent le long des grandes routes. Après le démantèlement de la jungle de Calais, le centre de la migration irrégulière s'est déplacé vers Dunkerque. Les critiques français considèrent que la Grande-Bretagne est principalement responsable de cette situation, car son modèle économique crée un besoin important d'emplois informels. Je suis tout à fait d'accord. De Dunkerque, on pédale à travers un beau paysage de dunes. Le chemin est interdit aux voitures et on ne remarque pas la frontière. C'est ainsi que cela doit être en Europe.